Nouvelle année 2023, de nouveaux défis à relever par les jeunes dans leur quête d'une identité professionnelle. Et c'est avec la même passion que Miyoti Vibénin reprend. Avec ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat agricole, la route des expériences qui explore l'histoire des modèles dans ce secteur. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est un militaire qui retient cette fois-ci notre attention. Sabou Convié Soupol, colonel à la retraite, promoteur de la ferme Ouadé de Dokoma. Directeur du CNH de Cotonou, où il a bouclé ses 30 ans de la fonction publique, le colonel Paul Sagbo est dans sa 22e année de retraite, entièrement consacrée à l'entrepreneuriat agricole. Je suis de l'administration hospitalière et admis à la retraite, je n'ai pas voulu rester inactif. Mais je ne peux pas m'installer dans ce que je faisais parce que en ce temps-là, le système sanitaire n'était pas bien organisé. Donc j'ai dit, je vais aller à l'agriculture. Je produis, je vends et je... C'est en partant de là qu'en 1998, on a commencé les travaux de la ferme et le 7 juin 2000, on a mis en charge deux étangs en pisciculture. Et c'est comme ça qu'on a commencé la pisciculture à Dokoma. Moi, je l'ai découvert il y a de cela plus de 5 ans au moins, où je venais ici chercher du poisson, les poissons qu'il produit. Chaque fois que j'arrive, avec ma curiosité, je me prends pour voir les poulaillers de Goliath, de pondeuse, les poissons, la fabrication de provende pour les poissons. Le palmier à l'huile, nous sommes ici. Le colonel, on ne dirait pas qu'il a un background militaire. Et moi, je l'ai toujours taillé une background agricole. Il n'est plus qu'un agronome là. Totalement rajeuni en corps et en esprit par la jouvence que lui procure l'entrepreneuriat agricole dans ses vieux jours, le colonel Sagbo ne s'ennuie pas du tout dans sa retraite. Tous les matins, j'arrive ici à la ferme à 9h. Je reste ici jusqu'à 13h pour suivre parce qu'on a plusieurs activités. On a la pisciculture, on a l'aviculture, on a le maraîchage, on a sylviculture, les forêts et les palmiers sélectionnés. Comme à chaque endroit, il y a des actions à faire, moi je viens surveiller. Jusqu'à 13h, je rentre. Si l'activité commencée n'est pas terminée, je reviens vers 16h. Sinon les après-midi, je reconnais que je suis à la retraite. Mais le matin, de 9h à 13h, je suis en train de travailler à la ferme Ouadé. Ouadé, c'est le nom donné à la ferme du colonel Sagbo. Et cela signifie en Nadia, travaille aujourd'hui pour t'assurer un meilleur lendemain. Mais bien au-delà de cette philosophie qui enseigne à tous la nécessité d'œuvrer soi-même pour son propre bonheur, cette ferme procure beaucoup plus la santé au colonel Sagbo. Nos grands-parents disaient à nos Kogwa-Lugo, tu ne peux pas rester là, ne pas bouger et manger, tu vas mourir. Le fait que moi j'arrive ici, j'ai l'impression que je suis encore en activité et ça me donne la santé. Parce que si tu es inactif, c'est toi-même qui t'égare. Si tu as choisi, tu t'égare, tu es fini. C'est la santé que ça me donne. Et qui ne veut pas la santé? Pour entretenir la santé, il faut la chose, l'argent. Là. Oui, ça me donne ça aussi. Donc, si tu as les deux, tu souhaites que ça continue. Ça fait 22 ans qu'on est à la ferme. On a commencé le 7 juin 2000. Et on est en 2022. Certains pensent que quand on dit on est retraité, c'est fini. On est bon pour s'asseoir jusqu'à ce que les gens creusent la tombe pour qu'on rentre dedans. Non, non, non. On s'organise, on travaille. Quand on a la santé, c'est une grâce, mais il faut l'utiliser.
il faut se rendre encore utile. Il ne faut pas se surcharger. Déjà, je vous le disais tantôt. Ce que papa est en train de faire, d'abord, c'est pour nous. Il est en train de travailler. Puisque vu son âge aujourd'hui, il essaie d'entreprendre encore pour pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Je crois que c'est une bonne chose que nous, jeunes, nous pouvons encourager en l'aidant à travailler pour pouvoir apprendre beaucoup de lui pour notre futur. La pisciculture est l'activité dominante de la ferme Wadé. C'est même par la pisciculture que cette ferme a vu le jour. J'ai choisi la pisciculture premièrement parce que dans le Koufo, les gens pour acheter le poisson frais sont obligés d'aller à Drala ou bien d'aller à Thiémé. J'ai pensé que en faisant la pisciculture, je vais leur fournir du poisson frais. Mais deuxièmement, mon vieux faisait déjà la pisciculture. Et j'ai un autre ami, Badovi Félix, qui faisait aussi la pisciculture à Grand Popo. Tous ceux-là m'ont inspiré et j'ai commencé par faire la pisciculture. La maîtrise de la production des alevins fait la renommée de la ferme Wadé en matière de pisciculture dans le Koufo. Gros producteur d'alevins. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les petits poissons que les gens prennent, qui élèvent, qui deviennent de gros poissons. Donc, ce n'est pas seulement la jeunesse. Il n'est pas utile pour la jeunesse, il est utile pour l'économie nationale. On est dans l'écloserie. Dans l'écloserie, c'est presque un laboratoire où on fait le couplage. Après un repos sexuel, on les met ensemble de 10 à 12 jours et on récolte les larves. On les amène ici et on les traite pendant 21 jours. D'ici, ils sortent pour aller dans les temps 3. Où on fait le pré-grossissement. Là, les larves atteignent 20 grammes et c'est là que nous les utilisons pour mettre dans les grands étangs. Tout comme les autres activités agricoles, la rentabilité de la pisciculture n'est mieux appréciée que quand elle est intégrée dans une chaîne de production animale et végétale. Ah oui, c'est rentable, mais il ne faut pas faire que la pisciculture. Parce que si vous faites la pisciculture, ce n'est qu'après 5 mois ou 6 mois que vous allez commencer par vendre le poisson. Donc, il faut associer à la pisciculture d'autres activités. C'est en partant de ça qu'on a associé l'élevage des volailles, les porcs, les lapins, ainsi de suite. Et le maraîchage, il faut associer d'autres activités en sachant que quand... Si tu as besoin d'argent, tu prends ce que tu vas vendre et tu achètes l'aliment pour le poisson qui va sortir après. Avant, je faisais les poulets pour vendre les œufs. L'aliment qu'on utilise à la ferme, c'est moi-même qui le fabrique. Mais depuis 2021, les matières premières ont doublé de prix. Tu ne peux pas être à la retraite et travailler à perte encore. C'est pas bon. J'ai laissé la production des œufs et j'ai choisi de produire les poussins Goliath parce que j'ai une couveuse à la maison. J'ai des géniteurs qui pondent les œufs, j'amène dans la couveuse et les poussins Goliath sortent et les gens viennent acheter. Le passage des jeunes dans la ferme Wadé les incite à s'essayer à l'une des activités que mène le colonel Sabo. C'est la volaille qui m'a plu. J'ai acheté une cinquantaine au marché que j'ai commencé par élever. Les sous que l'État leur donne par mois, là, ils doivent chaque fin du mois mettre de côté quelque chose pour qu'au bout de 4 mois, ils aient quelque chose de solide pour pouvoir s'installer. Je suis heureux que Virginie ait dit qu'elle a déjà commencé. Et dans le lot, il y a plusieurs qui ont déjà commencé aussi. J'ai compris que
Je n'ai pas bavardé inutilement. Moi, j'ai fait le choix de l'élevage des lapins et en dehors de ce que je fais ici, j'ai commencé l'élevage des lapins à la maison. En production végétale, le colonel Sabo est aussi un grand pourvoyeur des plants de palmiers sélectionnés. Vous êtes arrivé à la pépinière, les palmiers sélectionnés. Les palmiers sélectionnés, là, j'ai commenté ça au mois de juin 2000. On m'a envoyé en faire un stage à Koubet. C'est une ONG américaine qui nous a formés et qui, en ce temps-là, nous a aidés, nous a donné 1000 plants à vendre. Et j'ai signé un contrat avec eux pour dire que je ferai toujours la pépinière de palmiers sélectionnés. Pendant au moins 10 ans, c'est l'engagement qui nous a donné les 1000. On a vendu et on a continué. Pour que ce militaire retraité se retrouve aussi bien dans la pisciculture, la production des poussins Goliath, l'élevage des lapins et la pépinière des palmiers sélectionnés, c'est aussi parce qu'il a perçu le besoin de se faire former dans ces domaines. Je suis administrateur d'hôpital. Je suis formé pour gérer un hôpital, mais pas pour gérer une pépinière. Et si tu veux être responsable, il faut accepter d'être formé. Sinon, tes techniciens, même si c'est ton, tu ne sauras pas. Donc si toi-même tu es formé, quand ils vont le dire, tu verras l'importance de ce qu'ils disent. Mais si tu n'es pas formé, tu es béni, oui, oui. Tout ce qu'ils vont dire, tu vas accepter. Même si tu es en bois loin, tu vas les suivre. Le colonel Sabo exhorte tous ceux qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat agricole à ne pas minimiser la question de la formation. Quand ils veulent faire une activité au niveau de l'agriculture, il faut qu'ils acceptent d'être formés. Étant formé, si on va au niveau économique, tu ne feras pas les dépenses à la légère. Tu sais pourquoi tu as pris un franc pour mettre ici, si tu es formé. Mais si tu n'es pas formé, c'est tout ce qu'on te dira que tu vas faire. Tu as peut-être l'expérience, mais tu vas accepter de faire cette formation et comparer ce que toi-même tu as. Je reçois ici, là, des stagiaires de la Faculté des sciences agronomiques, d'Aboumekalabi, de Parakou, de Ketou, les élèves des lycées agricoles. Ce qu'ils ont appris en théorie, ils viennent apprendre la pratique ici. L'organisation du travail et la bonne hiérarchisation des tâches sont des principes chers à la ferme Wadé. Au point de vue personnel, il y a des permanents et des occasionnels. Celui que vous avez à ma droite là, c'est mon gérant. Toute activité qu'on doit mener à la ferme Wadé là, doit venir de lui. C'est lui qui va dire aujourd'hui on fait ci, ci, ci. Et avant ça, c'est que c'est de commun accord. Il m'a formé sur l'agriculture, l'aviculture et le maraîchage. Et comme ça nous plaît, on est en train jusqu'à présent. Pour pouvoir demeurer leader de la ferme Wadé depuis 22 ans déjà, le colonel Sabo a su coupler sa rigueur militaire à la souplesse qu'impose la sociologie du travail en équipe pour mieux superviser et surveiller le déroulement des travaux. À surveiller, j'ai appris en tant que militaire à surveiller les gens. Quand tu donnes les ordres, tu veilles à l'exécution. Tu fais travailler les gens et tu ne surveilles pas. Tu n'as pas un résultat. Les gens qui viennent à la fin, ils savent que je ne peux pas parler de moi, qui a la rigueur. Si tu fais quelque chose de mauvais, on va t'interdire ça. Si tu sais vrai que tu es en erreur, tu dois te corriger. Il arrive des moments où je suis militaire. Parce que si tu n'as pas la rigueur, tout est foutu. Ils savent ça. Et même comme il a dit qu'il arrive des moments, mais s'il reconnaît sa faute, pour dire, mais si tu travailles avec des gens, et s'ils sont durs pour ne jamais se tromper, non. Tu es obligé d'être rigoureux, sinon tout va être foutu. Parfois il a chaud, mais il peut rien. Tout ce que je retiens de lui, c'est le travail bien fait et dans le temps. Il tient au temps. Si ce n'était pas vous, il est déjà 13h, il serait déjà à la maison, en train de se reposer. Mais ne venez pas ici, 9h, 10h, le tisserait. Non.
que ce soit au niveau des cultures pérennes parmi à huile, au niveau de la pisciculture, les poissons, de la volaille, il donne des indications. Nous devons le remercier pour ce qu'il est en train de faire. C'est grâce à lui que nous suivons la formation et nous faisons en même temps des jobs pour nourrir nos familles. Œuvrer à ancrer le goût de l'effort dans la conscience des jeunes, c'est ce à quoi s'attelle le colonel Sagbo depuis des dizaines d'années après sa retraite. Et à entendre les jeunes qui l'ont côtoyé, Paul Sagbo peut se féliciter d'avoir fait œuvre utile. Le numérique a fait développer la paresse et la recherche de gains faciles chez bon nombre de jeunes, ce qui ne devrait pas être le cas. Il leur faut renaître et suivre de pareilles formations pour se prendre en charge. Bien s'habiller à tout moment ne devrait pas être notre grande préoccupation. Si tu as une activité qui te procure de l'argent, tu peux t'habiller comme tu veux, sans vider ton économie. Même si c'est un petit élevage de moutons, qu'on le fasse. Par rapport à ce que papa nous a appris ici, il faut aller faire la formation d'abord, avant de commencer par faire ce que nous voulons faire. L'État a bien fait, il a commencé par envoyer des gens pour se former. Il faudrait qu'ils acceptent de souffrir un peu. Si tu ne souffres pas, on dit tu mangeras la sueur de ton front. Si tu ne t'y mets pas, tu ne vas pas transpirer. Pour la jeunesse, c'est d'être patient. On ne devient pas colonel Sagbo du jour au lendemain. Ça se prépare. Ça fait des années. D'abord, de services loyaux rendus à la nation. Et ça fait des années de services organisés par soi-même. Je ne sais plus combien de temps il s'investit dans ces choses, mais ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Quelqu'un dit que c'est le travail qui libère l'homme. Cette jeunesse ne peut pas être libre si elle ne travaille pas. Un travail bien sain. Parce que aller se cacher, attraper le câble de quelqu'un, c'est un travail. Mais ce travail n'est pas sain. Et il faut travailler, il faut transférer. Et lorsque vous êtes en production végétale ou en production animale, vous êtes obligé de compter sur la nature. La biologie a son temps. Si vous plantez le palmier, il faut un temps pour que les fruits sortent. Vous ne pouvez pas planter le palmier 3 mois après, venir avec les haches pour avoir des régimes. Donc faites patient. Et il faut se donner du courage. Je crois que c'est de ça qui manque aussi aux jeunes et ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Premier abord, je remercie papa. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde qui, après leur retraite, ont le courage de participer encore à ces choses. Je prie Dieu pour qu'il nous accorde aussi à nous tous le courage de faire comme lui, quoi. Merci à Dieu de m'avoir permis de connaître la ferme Wadé. Au bout des 4 mois que j'ai eu à faire ici, j'ai compris qu'il y a assez de choses que je peux faire pour gagner ma vie. Comme papa est en train de l'expliquer tout à l'heure, rien ne se fait sans la formation. Je faisais un peu de l'agro-pastoral, mais quand je suis venu ici, j'ai compris que je dépensais un peu dans le vide. Donc j'ai pu me recadrer pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que je suis en train de faire. Le dernier mot, c'est vous remercier parce que vous êtes venu m'aider à être plus sérieux encore. Parce que si on dit que tu fais, tu vas aspirer à monter. Fin de cette visite de Miyoti Vibénin à la ferme Wadé du colonel à la retraite Paul Sagbo. Et si comme lui, vous œuvrez à faire comprendre aux jeunes la chance que constitue pour eux l'entrepreneuriat agricole, n'hésitez pas à nous inviter pour partager avec ces jeunes
vos expériences et votre parcours. Abonnez-vous à MioTV Bénin pour recevoir gratuitement la primeur de nos scoops, reportages, magazines, documentaires, etc. Pour tout renseignement, contactez-nous par WhatsApp au 00229 67 28 69 40. MioTV Bénin, votre web télé.